what is New Mayapur today? New Mayapur today is home for Kirtan festivals. This week we got together so many devotees for this Kirtan Mela. We have the installation of Sri Sri Radha-Govinda-Madhava. They were installed 1979, 42nd anniversary. The wedding of Ariana and Olivier, they came as volunteers and they're getting married tomorrow. On a beaucoup de jeunes couples qui s'installent autour d'ici, de familles, d'enfants, de jeunes qui voyagent partout dans le monde, passer quelques semaines et puis qui se retrouvent à venir vivre ici de manière permanente. Vous êtes resté 3 semaines? Après, je suis resté tout le temps, je suis encore là. Oui. Depuis 3 ans, vous êtes resté. Vous aviez l'intention de devenir une dévote? Non, à l'époque, je ne savais pas, je me trouvais très bien avec les dévots. Maintenant, je m'occupe des déités, je fais des services sous l'hôtel, je fais la cuisine. C'est des choses qui sont arrivées tout seul, pratiquement. On reçoit beaucoup de volontaires et la plupart viennent et reviennent. Ils sont touchés par les kirtans, sont touchés par l'association des dévots, par le prashad, par l'esprit de famille qui a ici. On accorde aussi beaucoup d'importance à la rénovation. Comme Prabhupada dit, d'abord rénover les bâtiments et ensuite construire des nouvelles maisons. Mon mari passe beaucoup de son temps et son énergie à collecter des fonds pour rénover le château, rénover les bâtiments autour comme Prabhupada nous a demandé. On a eu l'honneur de pouvoir organiser ce festival avec Satchinandan Swami, Kalambakanan Swami, Jananda Maharaj, Agnidev Prabhu. You are so joyful. Alors, Agnidev Prabhu en particulier, c'était juste un visiteur de passage? Alors c'était un visiteur et maintenant il s'installe à la Nouvelle Mayapur de manière permanente. But you believe him? When he says he is staying, do you believe him? Yes, he promised 1 year ago and he's going to stay here. Are you staying or going? I'm staying. I have a soft spot in my heart for France. One can feel the presence of Srila Prabhupada here. Krishna, his feet touches, that becomes a holy place, a tirtha. And in the same way, wherever it's pure, unalloyed devotee puts his feet, that place becomes a holy place. So that's the position of Mayapur. Prabhupada started the ball rolling, took money out of his pocket and there was attempts to sell this place in the past. It weren't successful, which is good. The boys who are here now are working hard to maintain it. This is Prabhupada's personal quarters. The devotees are maintaining them very nicely. Here I have Srila Prabhupada's shoes. I must take some advantage of this. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama. They should chant 10 hours a day. 24 hours a day. In between bites? Yeah, in between bites of prasad. Do you want me to remind you of the time? No, as you speak. Yeah, good. I don't know what day it is. Sankirtan is congregational chanting, but it's also complete. Everything with every cell absorbed in service to the holy name, in the association of Vaishnavas. These festivals are really lasting benefit. It awakens the desire to do it again. You may know from me, Narada, that I am not in Vaikuntha. I am also not in the hearts of the yogis who are meditating on me. Then where are you? He says, wherever my devotees are chanting, and that's where I am.
Little India is about Vrindavan, about Mayapur, about Prabhupada and the devotees. And we are simple people. He told us to live in a simple way, so we can have very elevated thinking, which means Hare Krishna, Krishna, Krishna. I was camping here first, you know, like 20 years ago. I put a roof on my tent. And then with my wife, we took some clay from here. We took some straw from the goshala, we mixed with water, and we boom, 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 took some wood from here or so, make like that. And wow, we made a house. So anybody can do it. Of course, we are retired. We don't have washing machine. We don't need all this now anymore. Okay, let's go in. So, I see, one kitchen in the back with a stove, desk, everything is there. You even have Giriraj Maharaj, so, you know, we have Tulasi Devi, she's wonderful, giving manjaris every day to Giriraj. Day and night she stays here. Well, in winter I take her inside. This is a replica of Govardhan. We have Varshana and Nandagram. Radha-Kund and Shyama-Kund there, and oh, Srila Prabhupada making parikram, Govardhan. We have a little garden with, you know, tomatoes, salad, potatoes, everything like that. Are you showing an example for this whole field to get built with huts for devotees to live in? Yes, would be great. One quarter could be for the retired Vaishnavas, one quarter for the brahmacharis, simple like that. And even families we are building now, a house like that, but you know, very big. I will show you that. So Little India is real, it's not a museum, it's just I live here, but that's 20 years. Our Swami who is living here, straw bale house also. Yeah. Where? Maharaj! May I ask you, what are you up to here? One thing we're trying to develop here at New Mayapur is a little bit alternate
you could say, in terms of housing. So this is like an experiment. It's a straw bale house. How big is it? It's just 20 square meters. And when did you move in? Just a week ago. You have water, electricity, everything? We have electricity farm today. This door was made, handmade by one of our devotees. All the walls inside straw bale, local straw. And then they rendered the wall with lime, and a couple of them work all year long, practically. All these beams are from the forest here. And this is clay and cow dung, sand, and above that is straw bales. This is a dry toilet. You know, you have to put sawdust inside it. It's very simple. There's just a pan. A mixture of lime, which is actually waterproof. So you don't need tiles in the shower? No, you don't need tiles at all. This floor is made of completely of earth, cow dung, and some sand mix. A windowsill made of local wood, carved by the same devotee who did the door. On top of the straw bales and the board, we have wood tiles on the roof. Very natural. Alors, nous voilà donc devant cette maison familiale. Oui, une maison écologique à visée spirituelle. Construire une maison, les oiseaux le font très bien avec l'intuition qui leur est donnée par l'âme suprême dans leur cœur. Nous, on pouvait aussi ne pas trop compliquer cet aspect de notre vie humaine et donc utiliser des matériaux locaux, comme ici, vous voyez, le bois de la forêt, la terre, la paille de l'étable et, outre les matériaux, la main-d'œuvre locale, ceux qui sont là, des jeunes, des moins jeunes, des hommes, des femmes, des dévots confirmés, des sympathisants qui passent par là un week-end. I was only three times in New Mayapur. First, when Srila Prabhupada visited here, there was so much life going on. Now, during this visit, I believe this festival is a trendsetter. It's a whole new generation managing with new concepts, a deep commitment. There were not always happy dealings between the various Gaudiya institutions in the past. All of us chant the same mantras. We worship the same Lord. It's very important to respect the choice of an individual to be with one institution. We as ISKCON are very interested in interfaith dialogue. But we have to learn the inter-Gaudiya dialogue. And there was no more deities. They were gone. Someone had come from Australia. He picked up the Radha Krishna that Siddhala worked so much on. Which are those? Moi, le commentaire que ça m'inspire, cette histoire que Krishna ici est apparu comme lui voulait. Il y avait des directives très précises. Mais là, la forme des Radha et Krishna qui sont ici, c'est, on pourrait dire, en quelque sorte, self-manifesting. C'est un petit commentaire que j'avais envie de placer. Ok, Govinda Prabhu. Well, I was 9 years old. So I just remember all the party. There was no old people, huh? Everyone was between 20 and 30, I think.
So the whole construction crew, they used to sleep like 2-3 hours a night for the, I think the last week before the festival. My father, he always had like 200 rounds to catch up. There was electricity in the air. You could feel that everybody was like, at least 1,000 people or something. Yeah. The first devotee there is Avyaya, my first husband. After it's Jayatirtha, it's behind the concert. After it's Vishnuratha, and after it's Bhagavanda. Façon Prabhupada. 50 ans plus tard, c'est les mêmes. C'est du mung dal, c'est écrasé, c'est séché à la poêle. On ajoute du cumin, des graines de fenouil, on ajoute du chili, de la zafetida, et on a la recette de Prabhupada. Donc ça, c'est la pâte à pakora qui va être faite avec de la joie, farine de pois chiche, du gingembre frais et des herbes de la nouvelle Mayapur qui sont cueillies fraîchement tous les jours. Ça, c'est le patois du jardin. Ce sont les mêmes herbes qui poussent à Vrindavan et qui poussent sur la nouvelle Mayapur, utilisées comme épinards. Wow. Voilà. You want us to pose for your camera? 1, 2, 3, 4, 5, un truc comme ça. Oui, et après, dans l'autre sens. Je me mets comme ça. Ouais, ouais, et un truc comme ça. Alors, il y a des pourris foncés et des pourris... Foncés et pourris jaunes. Les épices ne sont pas les mêmes. Sans épices et une pâte avec épices. J'ai mis la cardamome dans le halva. Ah, c'est du halva de carottes. Comment vous avez trouvé ce festival ? Ah, je suis très émue. C'est une chance de pouvoir se rassembler enfin depuis des mois où on a tous été séparés, pouvoir tous chanter, danser ensemble autour de Krishna. J'habite Écueillet, juste à côté. Et j'ai trouvé la Kirtan Mela très intéressante dans le sens où on a pu
retrouver des amis qu'on avait perdu de vue depuis très longtemps. J'ai grandi à la nouvelle Mayapur et maintenant j'habite dans le sud de la France, une petite communauté de dévots. Et de chanter comme ça pendant des heures et des heures sur plusieurs jours, entouré avec des Vaishnavas qui sont tellement sincères, c'est très, ça rend humble et très inspirant. Bah pour moi, c'était l'expérience de Krishna à travers ces heures et ces heures de chant de son saint nom. Même dans cette époque troublée par le Covid et par tellement de souffrances dans le monde entier, on peut éprouver la véritable joie pour laquelle l'être humain est né. Vraiment chaleureux, avec le temps magnifique, organisation parfaite, et puis la quantité de gens de qualité, c'était trop beau. It is customary in spiritual circles to invite each other so that Gaudiyas from all directions can be happy and encourage each other on their spiritual path. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna. Comment se déroulent les préparations du mariage, hein? Ok. Nicolas. Eh bien écoute, il va y avoir un feu de sacrifice et puis après, ben, normalement, ça devrait commencer pour 11h. Ah, l'accueil fabuleux, quoi. Beaucoup d'affection, beaucoup de gens bienveillants, vraiment. Et puis voir mon fils comme ça, en peu de temps finalement. Parce que ça fait quoi? Ça fait à peine un an qu'il est dans cette communauté. Il a rencontré, comme il me dit, la femme de sa vie. Oui, oui, je suis la maman d'Olivier. Et ça fait quoi de le voir se marier à l'Indienne? Eh bien écoutez, moi ça me remplit de joie, je suis vraiment très très émue. Pour moi c'est un monde nouveau, c'est une découverte. Cette communauté est très positive, gaie, sans jugement. J'ai assisté à différentes célébrations de danse et de prières. Ça m'a même pris au niveau des tripes, j'en ai pleuré tellement j'étais heureuse. Aujourd'hui je suis la plus heureuse des mamans. Io sono molto felice, perché la loro felicità è la mia. And you're dressed in a sari. It is his first time, yes. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare. J'accepte Olivier comme mon époux. Olivier comme mon époux. Et je promets, nous allons continuer ensemble. Nous resterons ensemble à jamais. Ok. C'est la fécondité, la femme. D'après la science védique, le feu, c'est considéré le plus pur des éléments de la nature. Ok, maintenant, nous allons chanter des mantras et aussi offrir au feu de l'orge. Le feu est alimenté par cette substance qu'on appelle ghee. C'est un temps vraiment intéressant parce que maintenant il change d'une génération à l'autre. J'ai de foi que Nanoumel Mayapur a un bon futur et ça c'est merveilleux. When is the next big festival? I believe the biggest. The biggest festival always been Balaram in New Mayapur. Et on va avoir toute une semaine de festivités parce que c'est les 45 ans
d'installation de Sri Sri Krishna-Balaram par Prabhupada lui-même. C'est le seul temple au monde où Sri La Prabhupada a installé Krishna-Balaram avec Vrindavan Dham. La Guesthouse, il peut accueillir tout le monde à n'importe quel moment de l'année. On a une cuisine que tout le monde peut utiliser, donc pas forcément besoin de dépendre du château. Il y a des salles de bain pour tout le monde, il y a même des salles de bain privées pour quelques-uns. Et puis, il y a tout simplement un bel environnement. Nous attendons votre visite. We look forward to your visit.